Bonjour les amours, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un moelleux au chocolat très gourmand. Si cette recette vous plaît, restez avec moi et c'est parti! Pour le réaliser, vous aurez besoin de 125 g de beurre fondu, 125 g de sucre, 4 œufs, 200 g de chocolat fondu, de 80 g de farine et 45 g de maïzena. Je vais commencer par mélanger mon chocolat et mon beurre fondu. Ensuite, je sépare mes blancs de mes jaunes. Je viens blanchir mon jaune avec mon sucre jusqu'à obtenir une belle mousse. J'y incorpore ensuite ma préparation chocolat-beurre et je mélange. J'y ajoute ensuite ma farine et ma maïzena et je mélange à nouveau. Je vais monter mes blancs en neige puis je vais l'incorporer à ma préparation en mélangeant délicatement. Une fois que mon appareil est bien homogène, je viens le verser dans mon moule de 18 cm de diamètre. Et comme vous me connaissez maintenant, on aime la gourmandise, on va y ajouter des morceaux de chocolat pour encore plus de gourmandise. Je viens m'aider d'un pic à brochette pour pouvoir les enfoncer un petit peu à l'intérieur de ma préparation. Puis il part en cuisson à 180 degrés pendant environ 30 minutes, surveillez la cuisson. Le voici après cuisson, dès la sortie du four, je viens y mettre un sirop de sucre. Pour le réaliser, c'est très simple, portez à ébullition 100 g de sucre et 200 g d'eau. J'y ai ajouté une petite goutte de vanille, ce qui va rendre notre gâteau encore plus gourmand parce qu'il va garder son moelleux et son fondant. Je vais le laisser ensuite refroidir et passer à la découpe. Nous voici une petite heure plus tard et voici notre moelleux au chocolat. Nous allons passer à la découpe. Il sent hyper bon en plus avec le sirop de sucre à la vanille. Et voyez l'intérieur fondant et moelleux en même temps. Trop trop bon. Maintenant, c'est à vous de le réaliser. Nous arrivons déjà à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de réaliser un gâteau au chocolat. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous envoie plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao !